Les lignes de la nouvelle C5 Aircross sont un petit peu plus acérées, plus dynamiques, plus précises, plus modernes en soi. On a des nouvelles signatures lumineuses avec des LED qui ressortent de la verrine, donc c'est quelque chose d'assez inédit. On voit qu'il y a une vraie structure, des vrais dessins de la verrine et des LED qui sont vraiment posés en avant. On voit que les DRL surgissent de la carrosserie. À partir des DRL, de ces LED, on a fait un dégradé de pampilles qui vont s'éteindre et qui s'estompent pour laisser place au chevron et le mettre bien en évidence. Tout le travail sur la C5 Aircross qui a été réalisé sur l'avant passe également sur l'arrière puisque nous avons refait une verrine de feu avec toujours ce côté lingot tridimensionnel. Le bouclier avant, lui, il soutient le black panel qui se trouve au-dessus, en fait, puisque du coup, on a vraiment une posture un petit peu plus posée sur les roues avec des vraies écopes. Ce sont des vraies écopes aérodynamiques. La nouvelle couleur, le bleu Eclipse, qui est donc la nouvelle couleur de la gamme, un bleu très profond, très élégant et qui passe du bleu foncé au noir et donc ça donne quelque chose d'excessivement élégant. Si on fait le tour de la voiture, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des nouvelles jantes, des jantes 18 pouces. Comme la face avant est vraiment structurée en termes de facettes, nous avons mis l'extérieur et l'intérieur au même niveau de technologie, au même niveau de raffinement et c'est pour ça que pour nous, le nouveau C5 Aircross va de l'avant. Finalement, le C5 Aircross est un concentré de technologie, d'efficience, d'élégance, de raffinement et de confort. On a voulu vraiment renforcer la notion de confort via notre programme Advanced Comfort. On a d'un côté les suspensions à double butée hydraulique progressive. C'est une exclusivité de la marque qui est série sur la voiture et qui permet réellement de lisser les imperfections de la route. On a des sièges qui sont Advanced Comfort. On a conservé une mousse à haute densité avec une surépaisseur de mousse. Donc ça crée un filtre supplémentaire entre les occupants et la route.
Mais on a profité d'une nouvelle confection de siège qui permet d'améliorer le confort visuel. Visuellement, on a un siège qui est plus confortable. Et puis, le confort de roulage au quotidien sur un trajet qui nous permet d'améliorer encore la sensation de bien-être à l'intérieur. Le confort, ça passe aussi par la possibilité d'offrir de l'espace à bord et de la modularité. Et sur ce point-là, ces 5 Aircross se distingue complètement de tous ses concurrents. On est le seul SUV à avoir 3 sièges arrière qui sont individuels. Ça veut dire une possibilité de les régler en termes de longitudinal, en termes d'inclinaison du siège. Donc c'est un confort qui est optimal pour chacun des passagers. Et ça permet en plus de renforcer un autre point de l'espace à bord, c'est le volume de coffre. On a un volume de coffre qui est aujourd'hui de référence sur le segment, jusqu'à 720 litres, et qu'on peut justement moduler au plus juste grâce à ces 3 sièges arrière individuels. Le confort, c'est aussi une opportunité pour nous, c'est pouvoir se servir de la motorisation hybride qui est demandée par les clients. On a une offre d'hybride 225 qui est cœur de gamme et qui nous permet justement d'amplifier le confort, de se servir du meilleur de l'électrique au quotidien. C'est la possibilité de rouler jusqu'à 55 km en total silence. Et puis c'est aussi un confort dynamique. Ça passe par le fait qu'on puisse avoir un couple instantané disponible immédiatement et qui permet d'avoir une meilleure réactivité sur la route. Et puis le tout, c'est accompagné par un traitement acoustique, des vitres feuilletées acoustiques qui nous permettent de créer cet effet cocon. Le premier mot qui me viendrait à l'esprit, c'est confortable. La C5 Aircross, c'est vraiment dans l'ADN de la marque. Tout est fait pour que le client se sente très en confort dans la voiture. La nouvelle C5 Aircross intègre le Highway Driver Assist, qui est un système d'aide à la conduite de niveau 2. Ce système intègre le régulateur actif, le maintien dans la voie actif, et puis l'interdistance par rapport au véhicule qui nous précède. Le combiné 12,3 pouces est complètement personnalisable. On peut y retrouver des informations telles que les aides à la conduite, bien sûr, tout le système de flux lié à l'hybridation, et il y a aussi le report de la cartographie qui évite de détourner le regard quand on conduit. C'est un vrai plus pour la sécurité et le confort. Nous avons une nouvelle offre d'infotainment avec à l'axe véhicule une tablette tactile qui fait maintenant 10 pouces. Cette nouvelle tablette tactile offre par exemple la possibilité d'avoir les commandes de climatisation en permanence accessibles. Dans cette nouvelle C5 Aircross, nous continuons l'offre d'hybridation. Nous avons un moteur hybride qui cumule un moteur thermique de 180 chevaux avec une boîte automatique 8 rapports et un moteur électrique qui lui fait 110 chevaux. Le fait d'avoir une batterie de 13,2 kW permet quotidiennement de pouvoir faire jusqu'à 55 km en tout électrique. Plus que jamais, la nouvelle C5 Aircross se positionne comme un SUV aux nouvelles technologies de dernière génération.
Les lignes de la nouvelle C5 Aircross sont un petit peu plus acérées, plus dynamiques, plus précises, plus modernes en soi. On a des nouvelles signatures lumineuses avec des LED qui ressortent de la verrine, donc c'est quelque chose d'assez inédit. On voit qu'il y a une vraie structure, des vrais dessins de la verrine et des LED qui sont vraiment posés en avant. On voit que les DRL surgissent de la carrosserie. À partir des DRL, de ces LED, on a fait un dégradé de pampilles qui vont s'éteindre et qui s'estompent pour laisser place au chevron et le mettre bien en évidence. Tout le travail sur la C5 Aircross qui a été réalisé sur l'avant passe également sur l'arrière puisque nous avons refait une verrine de feu avec toujours ce côté lingot tridimensionnel. Le bouclier avant, lui, il soutient le black panel qui se trouve au-dessus, en fait, puisque du coup, on a vraiment une posture un petit peu plus posée sur les roues avec des vraies écopes. Ce sont des vraies écopes aérodynamiques. La nouvelle couleur, le bleu Eclipse, qui est donc la nouvelle couleur de la gamme, un bleu très profond, très élégant et qui passe du bleu foncé au noir et donc ça donne quelque chose d'excessivement élégant. Si on fait le tour de la voiture, en fait, on s'aperçoit qu'il y a des nouvelles jantes, des jantes 18 pouces. Comme la face avant est vraiment structurée en termes de facettes, nous avons mis l'extérieur et l'intérieur au même niveau de technologie, au même niveau de raffinement et c'est pour ça que pour nous, le nouveau C5 Aircross va de l'avant. Finalement, le C5 Aircross est un concentré de technologie, d'efficience, d'élégance, de raffinement et de confort. On a voulu vraiment renforcer la notion de confort via notre programme Advanced Comfort. On a d'un côté les suspensions à double butée hydraulique progressive. C'est une exclusivité de la marque qui est série sur la voiture et qui permet réellement de lisser les imperfections de la route. On a des sièges qui sont Advanced Comfort. On a conservé une mousse à haute densité avec une surépaisseur de mousse. Donc ça crée un filtre supplémentaire entre les occupants et la route. Mais on a profité d'une nouvelle confection de sièges qui permet d'améliorer le confort visuel. Visuellement, on a un siège qui est plus confortable. Et puis le confort de roulage au quotidien sur un trajet qui nous permet d'améliorer encore la sensation de bien-être à l'intérieur. Le confort, ça passe aussi par la possibilité d'offrir de l'espace à bord et de la modularité. Et sur ce point-là, C5 Aircross se distingue complètement de tous ses concurrents. On est le seul SUV à avoir trois sièges arrière qui sont individuels. Ça veut dire une possibilité de les régler en termes de longitudinal, en termes d'inclinaison du siège. Donc c'est un confort qui est optimal pour chacun des passagers. Et ça permet en plus de renforcer un autre point de l'espace à bord, c'est le volume de coffre. On a un volume de coffre qui est aujourd'hui de référence sur le segment, jusqu'à 720 litres, et qu'on peut justement moduler au plus juste grâce à ces trois sièges arrière individuels. Le confort, c'est aussi une opportunité pour nous, c'est pouvoir se servir de la motorisation hybride qui est demandée par les clients. On a une offre d'hybride 225 qui est cœur de gamme et qui nous permet justement d'amplifier le confort, de se servir du meilleur de l'électrique au quotidien. C'est la possibilité de rouler jusqu'à 55 km en total silence. Et puis c'est aussi un confort dynamique. Ça passe par le fait qu'on puisse avoir un couple instantané disponible immédiatement et qui permet d'avoir une meilleure réactivité sur la route. Et puis le tout, c'est accompagné par un traitement acoustique, des vitres feuilletées acoustiques qui nous permettent de créer cet effet cocon. Le premier mot qui me viendrait à l'esprit, c'est confortable. La C5 Aircross, c'est vraiment dans l'ADN de la marque. Tout est fait pour que le client se sente très en confort dans la voiture. La nouvelle C5 Aircross intègre le Highway Driver Assist, qui est un système d'aide à la conduite de niveau 2. Ce système intègre le régulateur actif, le maintien dans la voie actif, et puis l'interdistance par rapport au véhicule qui nous précède. Le combiné 12,3 pouces est complètement personnalisable. On peut y retrouver des informations telles que les aides à la conduite, bien sûr, tout le système de flux lié à l'hybridation, et il y a aussi le report de la cartographie qui évite de détourner le regard quand on conduit. C'est un vrai plus pour la sécurité et le confort. Nous avons une nouvelle offre d'infotainment avec à l'axe véhicule une tablette tactile qui fait maintenant 10 pouces. Cette nouvelle tablette tactile offre par exemple la possibilité d'avoir les commandes de climatisation en permanence accessibles. Dans cette nouvelle C5 Aircross, nous continuons l'offre d'hybridation. Nous avons un moteur hybride qui cumule un moteur thermique de 180 chevaux avec une boîte automatique 8 rapports et un moteur électrique qui lui fait 110 chevaux. Le fait d'avoir une batterie de 13,2 kW permet quotidiennement de pouvoir faire jusqu'à 55 km en tout électrique. Plus que jamais, la nouvelle C5 Aircross se positionne comme un SUV aux nouvelles technologies de dernière génération.